silence, ça pousse. Dans quelques mois, Eugénie Dior accueillera son deuxième enfant. La femme de Jack Brooks Bank a annoncé le 23 janvier 2023 qu'elle et son époux attendaient un heureux événement. Aujourd'hui, la sœur de Béatrice Dior ne peut plus cacher ses jolies formes. Samedi 6 mai 2023, à l'occasion du couronnement de Charles III, la fille de Sarah Ferguson a fait irruption au sein de l'immense bâtisse aux côtés de son cousin, le prince Harry. Toutes les caméras de télévision avaient les yeux braqués sur le mari de Meghan Markle, venu seul, destitué de ses titres, mais bel et bien présent au sein de l'abbaye de Westminster. Mais aussi et surtout le ventre bien arrondi de la fille de Sarah Ferguson. La fille du prince Andrew a opté pour une robe longue bleue foncée en satin signée Fendi. La future maman a décidé d'y associer un large manteau de la même couleur, en cachemire de la même griffe, mettant en avant son ventre rebondi. Quant aux accessoires, la femme de Jack Brooks Bank a fait simple, avec un petit sac en cuir marron de la même marque de luxe. Elle porte des boucles d'oreilles Garrard et un collier orné de diamants dont le prix avoisine les 108 000 livres. Grossesse ou pas, la sœur de Béatrice ne déroge pas à la règle et porte des petits talons en cuir de la marque Fendi. So chic. Nous sommes tellement heureux de vous annoncer qu'il y aura un nouveau membre dans notre famille cet été, faisait savoir la princesse Eugénie sur les réseaux sociaux il y a quelques mois, en partageant une photo de son fils, embrassant son ventre. En annonçant sa seconde grossesse, le palais de Buckingham s'était fendu d'un communiqué pour féliciter le jeune couple royal. La princesse Eugénie et M. Jack Brooks Bank sont heureux d'annoncer qu'ils attendent leur deuxième enfant cet été, a indiqué le palais. La famille est ravie et Augusta, très hâte d'être grand frère, apprenait-on. Depuis cette annonce, la cousine des princes William et Harry multiplie les sorties dans les rues de Londres pour montrer son joli ventre qui s'arrondit à mesure que les mois passent. Le 1er avril, elle s'est ainsi rendue à un mariage avec son mari dans le quartier de Mayfair à Londres. La petite fille d'Elisabeth II portait une jolie robe à fleurs noires signée Veronica Bird qui faisait ressortir son ventre. La sœur de la princesse Béatrice accueillera son second enfant au milieu de l'été. Alors, en attendant l'arrivée de son bébé, la fille du prince Andrew savoure ses quelques moments de légèreté. L'arrivée du Royal Baby numéro 2 ne lui laissera que très peu de répit avant très longtemps.